grand tort, encore une fois. Maman sera inquiète. Elle m'attendra dans la fenêtre. Papa va encore me dire « Hey, Curly, y'avait pas de téléphone où t'étais ?» Toujours pareil, tu me dis « Oui, oui, pour faire non, non. » Hier, quand je suis rentrée, maman me parlait à table. Elle était bien étrange. C'était comme si c'était une autre personne, une inconnue qui me faisait la morale. Je l'écoutais pas. Tout était distorsionné. J'ai conduit bien mal ce chauffeur-là. J'aurais bien aimé danser encore, mais il fallait que je prenne mes derniers bus. Je me souviens de ce moment avec papa, toute petite dans le garage, où j'ai pris conscience que j'allais mourir un jour. J'allais jouer de la guitare jusqu'à m'en faire des ampoules aux doigts. Je sentais un étau se resserrer sur moi. Viens-t'en, papa! Partons! Viens, allons-nous-en! Mais au fond, pour aller où? La rue Walderton. C'est là où papa avait manqué de frein. Bon, voilà le bloc du juif tatoué. Comme si on l'avait marqué au fer. Puis voilà le terrain où la botte de ma sœur était restée coincée dans la neige. Ce soir, nous avons bu en cachette dans le parc avant d'aller danser. Je suis Eve, et peut-être que maman s'en apercevra. J'ai eu vraiment mal au cœur. Et l'autobus brasse trop. Je crois que l'autobus est ivre aussi. Il roule rondement. Je m'endors. Tous ces blocs qui défilent se ressemblent tous. Mais on se pose tout de suite sur les Vietnamiens qui ont cette affreuse tendance à éclairer leur salon au néon. Nous arrivons au coin Côte des Neiges, boulangerie Cantor. On passe devant le terrain de l'église où j'entends Sœur Cécile dire « Ta mère qui est si travaillante, si fainéante. » Oui, ma mère si travaillante qui a tant voulu sortir de la rue Berkeley. Maudit que le bus est slow. Avance, avance, je vais me faire chicaner. On passe maintenant devant la Plaza Côte des Neiges. J'ai rêvé l'autre jour à des hommes noirs qui marchaient sur le toit. Oui, il y avait des hommes noirs qui marchaient sur le toit de l'autre bord. Un demi-rêve. La mélancolie est comme un rêve aussi.
L'autre jour, j'ai découché. J'ai dit que j'avais couché chez Annie. C'était pas vrai. Ma mère le sait. J'imagine qu'elle a passé la nuit à se relever et à s'inquiéter. Je découche de plus en plus. Je leur fais vivre un vrai cauchemar. Et je le sais. Mais je veux partir de la maison bientôt. Il faut que je parte. J'ai annoncé mon départ. Papa ne me regarde plus. Il fait une colère sourde. Il écoute la télé à tue-tête, soir après soir, pour manifester son mécontentement. Ça me fait un vrombissement dans la tête. Moi aussi, j'ai de la peine. Il dit que c'est la faute à maman si je pars. Elle lui a dit, « Laisse-la partir. Je vais t'aider, ma fille. » Thank you.